نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله نبفي أن وقام رمضان وفاسي الشم زوجي دي مواتي كبيرين إن شاء الله. Alors nous explications aujourd'hui n'est pas exactement compris, mais plutôt un leçon Ramadan de Costé. Alors il y a pourtant un musulman qui apprend concernant sa ibadah d'être là afin qu'il réalise de la meilleure façon les profits maximum avec sa ibadah d'être là. Et alors les tiers profits qui nous supposait tirer avec sa mois qui peut venir là, nous venons de meilleurs musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous vers le chemin droit, vers l'obéissance, les protège nous contre les commandements et ceux désobéissance. Alors, Rosa Ramadan, premièrement Rosa, la langue arabe n'appelle Saum ou bien Siyam. La langue arabe n'appelle Saum ou bien Siyam. Et sa mot dans la langue arabe, sa signification c'est abstenir. Reste loin d'être quelque chose, abstenir. Un dimon, il prive lui-même d'être certaine quelque chose, il risque d'abstenir d'être certaine quelque chose. Au moment du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mention de Maryam alayhi salam, quand il dit Fakouli inni nadartu li rahmani sawma, falam ukallim al yawma insiya. Il révèle à Maryam, dit qu'il m'a fait un nadar, il m'a dit pour Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a observé un saum, les continuer, falan ukallim al yawma insiya, mon n'a pas pour cause avec personne, mon n'a pas pour cause avec personne. Alors, qui ça saum qui Maryam alayhi salam peut observer, de qui quelque chose qui peut abstenir, de causer, ça c'est, veut dire, du abstenir de causer, sa abstention là, dans la langue arabe, appelée saum. Dans le Coran et le Hadith, quand on cause concernant saum en tant qu'un ibadat, alors c'est un saum, c'est un ibadat qui nous fait abstenir de certaines choses spécifiques. Saum, c'est un ibadat, comment nous mettons un ibadat en pratique, c'est nous abstenir de certaines choses qui normalement est permissible. Normalement, il gagne droit, mais comme une ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons abstenir de ça. Et là, même là, nous devons comprendre qu'abstenir d'une certaine chose à cause d'Allah, c'est une ibadat, c'est ce qu'on appelle le saum. Un dimon, abstenir d'une certaine chose, pour faire Allah plaisir, alors là, cette chose-là, l'homme qui dimon commence à diriger vers. Vers Bid'a, il n'y a pas pour manger la viande, ou bien il n'y a pas pour dormir, ou bien il n'y a pas pour ça. Finalement, regardez, il tombe dans Bid'a. Alors, nous, musulmans, ce qu'il vient nous faire, ce qu'il vient nous abstenir, l'abstenir est quand il est hors de nous. Pour voyez, le God, nous l'observe. Sans l'abstenir de certaines choses, comme une ibadat, alors nous contentons avec ça. Alors, sans, en tant qu'une ibadat, c'est abstenir de trois petites choses, manger, boire et qu'un démon les satisfait lui-même. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lui dit وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Manger, boire, jusqu'à ce que vous êtes capable de faire la différence entre le fil blanc et le fil noir des Fajr. Le fil blanc, le fil noir des Fajr, ça nous ouvre l'italien. Et bien, ça, c'est normalement un moment qui. Les fajr peut rentrer, moment qui nous commence gardeuse. Alors là, il dit Fakulu washrabu, mangez boire jusqu'à l'apparition des fajr. Alors, nous comprenons par ça, c'est qu'une fois qu'il fajr finit apparaître, une fois qu'il nous rentre d'aller à Rosa, nous n'avons pas gagné le droit à l'été. Nous n'avons pas gagné le droit à manger boire. Nous n'avons pas gagné le droit à manger boire. Donc, Rosa, c'est un ibadat. Comment l'observer nous reste loin de manger boire. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dit dans sa même ayat-là Uhilla lakum laylat as-siyam rafathu ila nisa'ikum. Pendant la nuit du Ramadan, il permissible qu'un djimouni satisfait lui. Pendant la nuit du Ramadan, il permissible qu'un djimouni les satisfait lui. Pour ça, nous comprenons. Allah veut dire pendant la nuit, il permissible, veut dire pendant la journée, il n'est pas.
Les papiers ici, alors, basant le Sahayat Coran là, nous comprenons qui rosa, ce qui n'abstenir de trois petites choses, manger, boire, et qu'Adjimon lui satisfait lui-même. Le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire, concernant une personne qui veut observer son, yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Adjimon qui veut garder rosa, lui abstenir de ce. Il peut prier lui-même pour qu'il ne pas satisfaire sa passion. Il peut prier lui-même de manger et boire. Min ajli à cause moi. Donc, un dimon qui a le pégard de rosa, il est bizarre de rosa avec ça l'esprit-là. On peut abstenir de manger et boire à cause Allah subhanahu wa ta'ala. À cause Allah rabbul alamin. Alors, rosa, c'est un grand ibadat qui a un grand effet de l'adjimon. Il a un grand effet de l'adjimon. Mais il faudrait qu'il nous garde avec l'esprit de l'ibadat, nous devons garder comme un misère. Alors, comment pour garder un rosa, comme un bon rosa, c'est nous garder rosa avec l'esprit qui nous reste loin de manger et boire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là-dedans, là, il sort dans les mers, il y a l'exercice pour devenir un meilleur musulman. De quelle façon, nous prenons cet exemple-là. Rosa, c'était pas manger boire. Quand on dit rosa, c'est pas manger boire. Qu'est-ce pas manger pour, pas boire la boisson, ou bien qu'est-ce rosa, c'est un ibadat. Nous visons pas manger, nous visons pas boire. C'est dit que oui, rosa, c'est un ibadat. Nous n'avons pas gagné pas manger pour, nous n'avons pas gagné droit à boire la boisson. Est-ce que ça? Non. Mais dire rosa, pas rosa, nous n'avons pas gagné droit à manger ça, nous n'avons pas gagné droit à boire ça. Rosa, c'est un ibadat. Nous abstenions de manger boire qui? Halal, toute chose qui normalement nous dit qu'il y a droit à manger. Mais à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous abstenions, nous faisons soin. Alors, somme cette ibadat, il entraîne nous pour qu'il nous reste loin du halal, pour qu'il reste loin du haram, il est plus facile. Si un dimon, il est capable de ne pas manger cabri, il va manger bouc, il va manger poule, poisson. Si il est capable de manger poule, poisson, mais qu'il y en a pour qu'il n'a pas manger bouc. Qui n'est là pour lui pas? Il n'est pas dans ce pot. Alors, comme ça même, rosa, c'est une meilleure occasion pour qu'un du monde lave la main avec ce qu'il appelle cigarette. Il lave la main avec ce qu'il appelle cigarette. Surtout qu'un du monde, pendant une la journée, il va pas fumer. Et vous ne pouvez pas croire que vous avez besoin de l'homme, 10h du matin, 3h du matin, vous voulez fumer. Mais pendant la nuit, il peut dormir. Pendant la journée, il peut prendre rosa. Et comme quoi il vit avec tard, il est là pour manger, boire, il est sur la masse maghrib, il est sur la masse rechal, il est sur le taraoui. Mais dire, ça va aller là, traverse bien vite. Et nous tout contre bien, Ramzan, qui vite sa traversée. L'année passée, je me prépare pour faire la masse, pour faire commencer Ramzan, pour faire rien. Alors Ramzan, il finit à l'autre Ramzan, il vient devant nous. Nous connaissons avec qui vite sa Ramzan traversée. Alors, un mois pour qu'un dimon y arrête avec ce qu'il appelle cigarette. C'est quelque chose qui est trop facile. C'est quelque chose qui est trop facile si nous le comprenons qu'il était rosa. Si nous le comprenons qu'il était rosa, rosa c'est abstenir à cause d'Allah. Rosa c'est abstenir à cause d'Allah pour faire Allah, Rabbul Alamin, plaisir. Et un dimon quand il réfléchit, tout ce qu'Allah a de nous, tout ce qu'Allah a de nous, et il veut continuer de nous, il veut demander nous abstenir de certaines petites choses. Il y a la honte, c'est un dimon. Moi, je donne 1000 roupies, moi, je t'avais 2 mois 5 roupies, déjà non. Moi, je donne 1000 roupies, moi, je t'avais 2 mois 5 roupies, un dimon il refusé, c'était la honte pour dire rapport de ça, de la personne là-dedans. Allah peut donner nous, il peut donner nous, il peut donner nous, il peut continuer de nous, il demande nous pour soin de cette petite chose. Alors, il faudrait un dimon, ce iman, fin mot même, pour qui un marozan traversé, il n'a pas gardé rosa, ou bien il peut gardé rosa et il n'a pas pu comprendre qui était ça, sa ibadat là. Vous voyez, pour lui, c'est une formalité. Quand maintenant il peut faire fête les séries, tantôt il peut faire fête les iftar, après, pendant la journée, il peut blaguer dans la masjid, ou bien il peut blaguer au chemin, après Tarawih, pour mettre un jalo. Ça, c'est pas Ramzan, ça. Ramzan, c'est pas un mois pour faire fête, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui font fête dans Ramzan. Il y a beaucoup de gens qui font fête dans Ramzan. Ramzan, ce n'est pas un mois pour faire fête. Ramzan, ce n'est pas un mois pour faire fête. C'est pour ça qu'il veut dire, ça va demander que beaucoup de gens organisent dans Ramzan. Si tu es capable d'organiser sans limiter la fête, ok.
Mais si tu organises manger de Ramzan, de toute façon, tu vas aller dire que Ramzan, les bépans disent manger, boire, briani, deg, tu vois, sur la journée, de la journée, de finir ça. Alors, ça va être manger, voilà, il n'a pas. Et on peut dévier de l'objectif, faire un kit sauce, faire un manger, boire, sans qu'il vienne, un fête, sans qu'il, ouais, oublie qu'il nous dans Ramadan. Alors, Rosa, c'est un ibadah. N'abstenir de manger boire, n'abstenir d'un démon se passion, un démon d'abstenir de se passion pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et alors, Ramadan, c'est une meilleure occasion, surtout ma jeunesse, avec ce qu'appelle portable, chat, YouTube, rentre ici, rentre là-bas. Ramadan, c'est une occasion. Ramadan, c'est une occasion. Mais t'as une position, ça. Fais comme on dit, computer pas existe. Fais comme on dit, internet n'a pas existe. Il y a quelque chose qui nous capable. Nous ne pouvons pas vivre sans ça, nous tout le temps vivons sans ça quelque chose. Tout le temps nous vivons sans internet, tout le temps nous vivons sans computer. Qui fait aujourd'hui nous n'avons pas, nous n'avons pas capable de vivre. Et il y a beaucoup de gens qui nous connaissent très bien, computer, avec son internet, avec son YouTube. Un jour, il rentre ici, il rentre là-bas, il rentre là-bas, il rentre là-bas. Finalement, il va aller côté de rentrer et il attend des heures infinies. Mais Ramadan, c'est une occasion. Ramadan, c'est une occasion pour qu'un djimoun contrôle ce désir. Contrôle ce désir. Et quand on veut dire contrôle le désir, c'est contrôle le désir pour qu'un djimoun n'est pas satisfait dans halal. Pendant Ramadan, peut dire nous, un djimoun est abstenir de ce passion, c'est abstenir de ce qui est halal. Qui veut entraîner nous pour abstenir de ce qui est halal ou qui abstenir de ce qui est halal, il veut dire. Les plus facile, les villes plus facile. Et tout ça là, quand l'islam il a mis un ibadat comme Arouza, définitivement, il a nous. Nous avons besoin de ça qui te sauve là. Nous avons besoin de ça qui te sauve là. On va donner l'exemple d'un musulman. Après Ramzan, il peut tomber même les bébés. Après Ramadan, après Maïd, il traversé, il peut tomber même nos bébés, nous pouvons tomber même nos bébés. Allah subhanahu wa ta'ala de nous déjà Ramadan est l'occasion pour qu'il nous remonte. C'est un djimoun assisé de réfléchir. Est-ce que Allah peut satisfaire avec mon avis? Est-ce que sa façon qu'il nous bénit là, Allah peut satisfaire avec ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il nous gagne Jannah? On le voit très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah inna sila'ta Allahi khaliya. Ça dit qu'il y a entre nous avec Allah, Allah peut vendre nous piaster. C'est qu'Allah peut vendre là. Le prophète dit bien, c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est Jannah. C'est qu'Allah peut donner nous là, c'est Jannah. L'inquiétude qui vient, c'est. Est-ce qu'il nous peut pas soit c'est Jannah avec sa détroit d'amas qui nous peut venir là, avec sa la vie qui nous peut amener là? Est-ce qu'il nous peut trop croire autant pour voir c'est Jannah? Non. Jannah. Il y en a beaucoup à lire et il y en a autant à lire que même quand tu fais Ibadet, nous faisons comme Karabastik. Avec nous Ibadet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai payé la personne par mesure sur Ibadet pour faire le Ramadan. De Jannah, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand tu fais Ibadet, qu'il fait ça, quand tu fais là, il n'a pas vaut comme un prix pour gagner. Pour gagner Jannah, Jannah c'est une préparation de la foi, une préparation par Allah subhanahu wa ta'ala. Jannah sur valet, c'est un grand valet. Alors, sa rosa qui nous fait garder là, c'est un moyen pour nous gagner. Jannah nous garde un bon rosa. Nous garde un bon rosa, une masjid bonheur, nous restons à masjid, nous n'avons pas qu'on amasse fini, nous aller, nous trappe Coran, nous lire. C'est comme ça qu'il nous traverse Ramadan. Il y a beaucoup de monde. Un banané, vous pouvez trouver, râle, râle, masjid bonheur. Un banané, vous pouvez trouver, râle, les minamas, sans qu'il n'y ait pas de bille. Tous les jours, quand vous faites salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, encore les mêmes derniers salam, encore les mêmes minamas, encore. Et c'est pas une maladie comme ça. Ramadan, c'est une occasion. Ramadan, c'est une occasion. Un djimoun, il est bonné, il reste dans le masjid, il lit le Coran, il fait dhikrullah, il fait un dua, il pense un djipé l'eau se passer, et il pense un djipé l'année passée, comment Ramadan j'ai dit, qu'il va un djimoun qui est ensemble avec nous, ça Ramzana, je n'ai pas avec nous, et qui ne connaissent pas le besoin de la faire Ramadan, ou bien le besoin de notre Ramadan. C'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous. Nous connaissons valer de ça l'occasion là. Nous connaissons valer de ça l'occasion qu'Allah veut de nous. Ça, Ramadan, c'est une occasion. Saisisse avec Allah qui vous gagne ça qui a été l'occasion là. Saisisse avec Allah qui vous gagne ça qui a été l'occasion là. Et qu'il s'en comme à nous-mêmes, coup de pied où tu peux gagner. Avec qu'il s'en comme à nous-mêmes,
on fait force à moi un coude, on va dire ok. On fait force à moi des coudes, on va dire ok. Ok, pardonne-toi. Un troisième coude, on fait force à moi, on va dire ok. C'est maintenant pas remonter votre face. Ça l'engage une sainte. On fait force à moi un quatrième coude qui est ouvert. Une sainte qui est ouvert, le coup de pied. Nous, quand on vient force nous vers avec Allah, Allah est encore auprès de nous. Encore auprès de nous. Encore auprès de nous. Ça veut dire aussi longtemps que nous vivons le salatier là, nous gagnons 10 Ramadan, 15 ans, 25 ans, 15 ans à 65, à 60 ans, nous avons 45 Ramadan, nous vivons 45 Ramadan dans la vie, c'est 45 fois Allah est de nous une occasion encore, une occasion encore, une occasion encore, une salle comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous donner une occasion. Alors Allah est de nous une occasion, nous profiter. Vous profitez avec Ramadan, vous profitez avec Rosa. Premièrement, nous disons comprendre qui était Rosa. Rosa, c'est bien entraîne-nous à abstenir, abstenir. Ouais, pas tout ce qu'ils ont envie de faire ou faire. Il y a beaucoup de gens, cette erreur capitale qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont envie de faire, ils ont fait. Tout ce qu'ils ont envie de faire, ils ont fait. Ils ont envie de manger tel carré, ils mangent tel carré, ils ont envie d'habiller comme moi, ils ont envie d'habiller comme moi. Ils sentent parfois, ils pensent, les faire ce qu'ils voulaient. En vérité, Allah Rabbul Alamin dit de nous liberté. Nous avons envie de manger tel carré, nous avons envie d'habiter. À l'aide de nous, c'est une liberté, mais aussi finir une certaine restriction. Et dans cette petite chose, qu'Allah Rabbul Alamin finit empêche nous. Alors, nous disons qu'on est, qu'en tant qu'un musulman, ne pas qu'on peut faire quelque chose, qu'Allah finit empêche nous. Allah en connaît avec ça. Allah Rabbul Alamin n'est pas satisfait avec une petite chose pareille. Nous disons. Connaît qui manque de choses qu'Allah fait décrète haram dans sa dîna, nous faisons nos efforts pour abstenir. Somme, c'est un ibadat qui repose nos deux piliers. Il repose nos deux piliers. Premier, c'est niya et des jeunes, ça, c'est qu'appelle l'abstention. Et qui fait important, il y a important parce qu'un djimon, depuis grand matin, ce qu'attend tout, il n'a pas de manger, non, il n'a pas appelé ça, vous ça. Faudrait qu'il abstienne de sa manger voilà à cause Allah. Ça n'est pas qui fait une ibadah. Ça n'est pas c'est ça qui fait une ibadah. Mais quand j'ai par exemple, quand il devait grand matin et il trouve ce papa avec une qualité de douleur, il peut lever avant l'air fatal, il trouve ce papa avec une qualité de douleur, il me dit prend ce papa à l'hôpital. Quand à l'hôpital, ici, là-bas, vous n'avez pas à 8h, ce n'est pas un mot. Alors, vous avez des mains, on les vénit, il baille, il amène les, il est enterré, Zohar, il est fatigué, il n'a pas perdu les mains, il n'y a rien, il n'y a rien. Est-ce qu'il appelle ça Rosa? Non. Vous n'avez pas de mains, il n'y a pas de boire, un gros aidé là aussi, ça appelle ça Rosa. Bon, même qu'il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boire, mais c'est mal, il n'y a pas de phénix à l'intention pour faire Allah, Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Donc, Rosa, ce premier pilier, c'est un niya. Nous, nous avons fait God Sarouzala avec un niya. Il y a pourtant beaucoup de gens qui font. Parce que si on dit pendant Ramadan, pendant Rosa Ramadan, il casse ce niya, même qu'il n'a pas mangé, voir qu'il arrive Rosa. Rosa l'a cassé. Rosa l'a cassé. Mais déjà, pour casser Rosa dans le Ramadan, il n'y a pas juste qu'un djimoun, il n'y a pas de l'eau, il boit. Fait pourquoi déjà, un djimoun, il dit, il m'a pas cassé mon Rosa, moi. Comment il dit ça? Il mime ça, quelque chose là, Rosa l'a cassé, même qu'il n'y a pas de bon oignon. Même qu'il n'y a pas de bon oignon, il n'y a pas de manger dans l'oignon, après, tu vas dire, non, il faut regarder. Mais non, quand on finit casser Rosa, on finit casser Rosa. Alors, ça c'est, là, pour ça qu'il y a autant de comprendre un pilier de sort, premier pilier de sort, c'est l'idée, deuxième c'est abstention de manger boire. C'est un djimoun. Il peut abstenir de manger boire, mais il finit qu'à ce niya, il y a Rosala infini, invalide. Donc ça c'est des piliers de sort. Et la condition pour qu'un sort est valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il est bizarre qu'il peut être observé par une personne qui l'islam reconnaît sur une action. Un djimoun ni fou, ce rosa peut avaler auprès d'Allah. Djimoun qui, Allah fin de sa maladie là, il n'est plus raisonné, il est fou, alors ce djimoun là, ce sa rosa là, il n'a pas avaler, et comme ça même, l'ibizer peut être, l'ibizer premièrement, l'ibizer, pour qu'un rosa ait être valide auprès d'Allah, faudrait qu'il puisse être observé par une personne qui l'islam reconnaît son action. Faudrait qu'il puisse être observé avec Mia et faudrait qu'il puisse être observé pendant toute longue durée. Faudrait qu'il puisse être observé pendant toute longue durée. Mais dire,
Anjimun, il n'y a pas qu'à commencer dans le Rosa et qu'à mettre Fajar nous peut donner, il y a encore peut manger, peut boire. Comment finir dans cet Anjimun dans le Rosa même? Alors, pour lui, il y a le droit manger, boire, même les Iqamat Fajar peut donner, il y a le droit manger, boire, ça prend peine, ça Rosa. Parce qu'il y a un commencement et une finition. De la même façon, Anjimun, les pégards de Rosa au lieu de 6 heures, l'infini fait l'iftar, 5 heures 55, Rosa là, il n'a pas valide. Donc, trois conditions pour que Rosa il valide. Premièrement, il faudrait qu'il y ait des gens qui pégard sa Rosa là, il y a des gens qui l'islam reconnaît sur son action. Il n'a pas fou. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait avec Nia. Et troisième, il faudrait qu'il y ait tout le long sur durée. Combien de qualités sont maintenant? Le cardia, il y a trois qualités sort. Premier, c'est qui est obligatoire. Deuxième, c'est qui est recommandé. Troisième, c'est qui est empêché. C'est qui est empêché. Alors, nous passons ce qui est empêché, c'est qui est sunna. Ensuite, nous mettons ce qui est obligatoire. Sort qui est empêché, mais j'ai un certain rosa qui est empêché. Cela, puis nous empêchons quand ça rosa là. Par exemple, quand rosa, jour, quand Rosa, Zouri, c'est un Rosa qui est empêché dans l'islam. Ok. Rosa qui est recommandé, c'est par exemple, Rosa pendant le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, pendant ce mois de Sha'ban, God, God, quand tu es Rosa qui nous capable, God, quand tu es Rosa qui nous capable, 6 Rosa dans de Sha'ban, Rosa Ashura, Rosa Arafat. Rosa sacré, disait dit, ça c'est pas Rosa qui est recommandé, ou bien les 13, 14, 15 de chaque mois. Rosa qui est obligatoire, nous y a trois Rosa qui est obligatoire. Nous y a trois Rosa qui est obligatoire, premier. Rosa Ramadan, deuxième Rosa Nadr, ce qui est le Manet, troisième Rosa Kaffar. Rosa Nadr, veut dire un djibou, il dit, oh Allah, si tu fais moi bien, pour qu'on 10 jours Rosa pour toi. Oh Allah, un djibou, il balade. Je vois là si tu fais moi bien. Je vais avoir 10 jours pour toi. Ça, mais ça, je vais faire un net. Je vais faire un vœu. Un net, le nom Allah subhanahu wa ta'ala, une promesse. Celui qui me fait sa promesse là, sa rosa là qui me dit l'oli, c'est obligatoire. Sa rosa là, il me dit obligatoire l'oli. Et nous les expliquer dans la leçon, normalement, net, faire un net n'est pas recommandé. Il n'a pas recommandé, le maître. Qui, si arrive ça, vous pouvez faire ça. Ou elle laisse moi bien, ou elle laisse mes enfants bien, ou elle laisse mes enfants passer l'examen, vous pouvez faire ça. Pas qu'ils soient pareils, il n'a pas recommandé. Mais si un jour vous voulez faire, il est obligé de respecter. Donc, et dans Rosa, il est obligatoire. Comment? À travers qui dit? À travers Nedre. Et dans cette Rosa, il est obligatoire à travers Kafara. À travers Kafara, il y a comment dire l'aman. Comment dire, hein? Un l'aman. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il cause concernant par exemple celui qui dans l'état de l'Ihram, il n'a arrivé la sas. Un djibou dans l'état de l'Ihram, il n'a pas gagné droit. La sas. Alors celui qui n'a arrivé la sas dans Ramadan, dans l'état de l'Ihram, celui qui, pendant qu'il est dans l'état de l'Ihram, il n'a arrivé la sas, alors il a une certaine laman loli, s'il n'est pas capable, Allah dit, oh kafara tu ta'amin. طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام على لبزة في دل مغن بوب مازي أو بيان كي لغاد روزة ça c'est qui روزة كفارة هنا روزة نذر لبين obligatoire روزة كفارة لبين obligatoire et روزة كي obligatoire c'est روزة Ramadan, Rosa, Ramadan, et ça là, là c'est pas un Rosa, c'est pas une obligation qui est pour certaines, pas pour certaines, ou bien les vignes comme un laman, ou bien les vignes d'après, ou vignes décider, non, ça là c'est une obligation de tout le monde qui finit à minimal, qui les hommes, qui les madames, ça qui m'appelle Fardaïn, une petite chose qui est obligatoire, le chaque individu musulman, tout le monde qui a un iman obligé à garder ce qu'il appelle Rosa Ramadan. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum al-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqoon » Au bas qui vient à un iman,
Rosa finit prescrit aux autres, finit des critères obligatoires aux autres. Pareil comme elle était obligatoire le ban qui tient aux autres, l'aïda comme tête de rôle, afin qu'ils gagnent ta quoi. Donc, Allah veut dire, kutiba alaykum siyam. Allah peut écrire, décrète. Rosa Ramadan obligatoire le zut Allah dit فمن شهد منكم الشهر فليصوم celui qui témoigne sa moi-là qui ligore de Rosa il est égal l'autre pour garder Rosa le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Hajjat al-Wada ittaqu Allah Rabbakum il y a ittaqwa des autres وصلوا خمسكم faisons 5 fois namaz وصوموا شهركم God zut de Rosa pendant le mois Ramadan wa addu zakat amwalikum donne zakat des autres richesses wa ati'u dha amrikum suive obéis à celui qui n'a l'autorité parmi eux tadkhulu jannat rabbikum zut rentre dans jannat des autres rab donc Rosa Ramadan il y a une petite chose qu'Allah fait décrète obligatoire et le quatrième pilier de nous et nous dit, quatrième pilier de nous dire, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bouli à l'islam ou à la khams, l'islam finit être bâti aux cinq piliers, shahadati, Allah ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, premier pilier c'est, shahada la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, déjà, wa iqari salat, maintenir, faire cinq fois salat tous les jours, waja wa ita iz zaka, ben zaka, quatrième, wa sawm ramadan, dadruz al ramadan, حج وحج البيت الفير حج de كعبة donc روزة رمضان c'est un pilier de sa vie روزة رمضان c'est un pilier de sa vie veut dire un démon il n'a pas pour capable il est un bon musulman bien sûr l'islam pas pour l'islam complet aussi longtemps qu'il n'a pas gardé روزة رمضان au complet concernant l'obligation Ramadan, premièrement, l'important nous connaît qui avant, comment Ramadan, comment Rosa Ramadan devient obligatoire. Au commencement, et Rosa qui est obligatoire, c'est Rosa Ashura. Et ça, l'important nous connaît ça, parce que nous vous trouvez comment a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la loi qui devient obligée, il y a Tigit, pas Tigit, Tigit. فتجد في البريفالو بوسا في المينو بيجاتو أنا كيسوس كيف مين حرام روزا في المينو بيجاتو تجد بقى تجد في المينو بيجاتو كم سامم سيكابيل خمر لا بواصل كوري في مين حرام إذا إتاب بقى إتاب بقى إتاب ده القرآن ده الحديث كانوا بقولي روزا رمضان اللي بقى في المينو بيجاتو أن سلكت كم سا للبروفة صلى الله عليه وسلم Tu peux garder Rosa Ashura au commencement. Apporté par Aïcha, radiyallahu anha, elle dit Kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, amara bi siyam yawm Ashura, falamma furida Ramadan, kana man sha'a sam wa man sha'a aftar. Le prophète, tu ordonnes garder Rosa Ashura. Il dit Tu n'as un jour Rosa qui est obligatoire, c'est Rosa Ashura, dixième. Dixième Muharram. عائشة جيه فلما فرض رمضان كان من شاء صام من شاء أفطر كان روزة رمضان في المين أوبليغاتوا ألو روزة عشورة سو أوبليغاتوا إن تومبي لين غسابي وأن أن سنة سولي كي أوليغادي لغادي سولي كي با أوليغادي دينابا غادي سين تومي كي تسوز إذا لما كان روزة رمضان تبين أوبليغاتوا Au commencement, il est obligatoire, mais avec un certain choix entre qui veut dire soit qui nous garde Rosa ou bien qui nous donne Fidia ou bien qui nous donne Fidia veut dire si nous mettons à garder nous garder si nous mettons les génies c'est pas nécessaire garder nous donne Fidia veut dire nous donne un pauvre man nous donne un pauvre manger mais ensuite sa choix là il tombait qu'il restait obligé garder sa choix là il tombait nous obligé garder veut dire Nous trouvons les faciles, nous ne pas trouver les faciles, nous bisons God Rosa. Nous bisons God Rosa parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, il n'est pas de nous pour God en qualité Rosa, les qui entraînent, il n'est pas de nous pour God en qualité Rosa qui nous partent pour capable. Allah, pour nos capacités très bien, nous capables de Rosa. Celui qui est malade, c'est une petite chose. Celui qui est malade, on va le retrouver, là, il y a différentes lois pour lui, mais.
sans voir, depuis Fajr jusqu'à Maghrib, il n'y a pas une petite chose qui rendit aux capacités insane. Après, il y a Ibn Abi Layla, il dit حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه. Alors, quand le Ramadan est obligatoire, celui qui se fait trop difficile, il se fait donner un pauvre manger pour chaque jour, il tient la capacité de garder, il est capable de garder, mais c'est pas que je fais trop difficile, au lieu de garder le sac, il se fait donner vite, il y a. Ou alors, tu gagnes sa permission-là, tu gagnes sa permissibilité-là, au commencement, فَنَسَخَتْهَا ensuite, ayat Qur'an qui vient venir, وَأَنْتَ صُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Quand l'autre ayat Qur'an vient venir, sa choix-là, il a abrogé, فَأُمِرُوا بِصَوْمُ. Et je finis avec l'autre qui était, il a ordonné, donc, bizin gardé rosa Ramadan. Bizin gardé rosa Ramadan, mais j'ai dit, mon, ce travail, mais j'ai dit, pas, il travaille sur les camions, ou bien les maçons, ou bien qui travaille, qui travaille, les bizin gardé rosa. Les bizin gardé rosa, les laboureurs, ou bien n'importe qui était, les bizin gardé rosa, soit qu'il diminue, s'il fait qu'à pas le mois congé, il pas le mois congé, parce qu'Allah n'a pas eu le droit pour ibadet, pas n'a eu le droit pour travail. Si nous avons besoin de moi conseil, nous pouvons conseil. Si nous avons besoin pendant un mois diminuer le travail, nous diminuer le travail. Nous diminuer le travail. Alors, de n'importe façon, un jibon, il est obligé de garder ça. Il est obligé de garder ça. Même quand il travaille, ce travail est difficile, il est obligé de garder ça. Si toutefois, un jibon, pendant qu'il est rosa, nous ne pouvons pas. Si pendant qu'il est rosa, il est faible, il n'est pas capable, il est bien cassé. Alors ça c'est une petite chose, il est permissible. S'il n'est plus capable, il est bien cassé, il est cassé sans qu'il y en a qui la manne, l'eau, lit. Et ensuite, quand Rosa, Ramadan, finit obligatoire, nous avons un mas'ala qui appelle. Celui qui Rosa Ramadan finit obligatoire, le lit pendant la journée. Celui qui Rosa Ramadan. Une vie obligatoire au lit pendant la journée. Comment ça? Si un djibout pendant la journée qui n'a pas accepté, il accepte l'islam. Pendant le Ramadan, pendant la journée Ramadan, il n'accepte l'islam. Première question, c'est qui? Faites-vous aller accepter l'islam le 14e Ramadan. Le 14e Ramadan, il accepte l'islam. 13 premiers jours là, il rate la vie. Est-ce qu'il les a remplacés? Non. Ça, tu dis dans ce coffre. Une fois qu'il accepte l'islam, tout ce qu'il fait, cher, coffre, tout ce qu'il fait, tout est effacé. Pas de rosa, c'est un ibadet, tout est effacé. Alors celui qui veut accepter l'islam dans le Ramadan, rosa qu'il panne, en tant qu'un kafir, il n'a rien pour remplacer ça. Il peut accepter l'islam le 14e Ramadan, faire comme dire, il peut accepter. Elle est pas là, et qui me dit infiniment zé. Me dit infiniment zé. Comment il accepte Ramadan, il accepte l'islam, Rosa Ramadan est obligatoire au lit. Rosa Ramadan est obligatoire au lit. Et comme ça même, comment il accepte l'islam, il y a qui est obligatoire au lit? Namazouhar. Namazouhar, il vient obligatoire au lit. Alors, il a fait son namaz, une fois qu'il rentre dans l'islam, il garde sa rosa, il appartient à aider, à diffuser, il est obligé de garder sa rosa, il n'a pas le droit de manger boire, et sa jour rosa a compté, il peut la remplacer, même qui, comment dire, commence par la journée, il mange. Même qui, pendant, au commencement de la journée, il mange, il boit, au bien midi, il fait manger boire, il finit, ensuite il accepte l'islam. Sa jour rosala, il compte au complet, il n'a pas pour remplacer sa jour rosala. C'est Hadith rapporté par Rubay ibn Mu'awwid, il dit concernant Rosa Ashura, qui est encore obligatoire. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit envoie un sahaba pour faire l'annonce. من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait une annonce, celui qui grand matin lit rosa, alors il continue rosa, celui qui partit rosa, qui l'y garde rosa. Celui qui partit rosa, qui l'y garde rosa, alors qui nous comprend pour ça? Ça l'époque là, rosa, Ashura, tu es obligatoire,
Quand la loi là est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand le prophète informe sa main sahaba là, même celui qui panga de rosa pendant la journée, comme il le dit à eux, je te brise dans sa jour là, et puis il y en a un qui dit remplace ça, sa jour rosa là. Et rosa est obligatoire, mais pas le ban enfant, pas le ban enfant, et mais seulement si ban enfant, peut garder les pour compter et ça t'a wabla les mille bouquins là. Si nous avons un enfant dans le rosa, un enfant, c'est bon, 7 ans, 8 ans, nous avons un garde rosa. Il y a un tawab, ça va blâmer le mot? Non, pas enfants là, les vins pour les vins enfants là, papa là, il y a un tawab à gagner, papa là, il y a un tawab à gagner, c'est l'encouragement, une facilité. Mais quand vous envoyez dans le rosa, ça va blâmer le mot? Les vins pour enfants là même, et tout péché qu'ils envoient là, bébé, il y a le mot? Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché. Qui font partie beauté de l'islam, c'est qu'il y a des enfants, quand ils veulent aller vers bon action, ils n'ont pas à ça peut être sur le chien, ça. Même 5 ans, 6 ans, ils font bon action, tout ça peut être sur le chien, ils n'ont pas à gagner. Et tout péché qu'il est capable de faire dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils n'ont pas encore une balire, tout ça péché à gagner. Péna, il n'est pas compté auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors. Bonnes enfants veut dire je garde rosa, mais seulement, veut dire nous entraînons autres pour garder rosa, peine aucun âge spécifique, il n'a pas nécessairement 7 ans ou 8 ans, différents enfants, il y en a qui sont plus solides, il y en a qui sont moins solides, alors nous entraînons autres, tant qu'ils n'ont pas encore une balle, il n'est pas obligatoire aux autres, mais seulement nous entraînons autres. Mais la bonne, hadith, comme par exemple, Roubaix ibn Mu'awwid, il dit, nous fais garde rosa, nous fais faire des enfants rosa, qui nous fais faire? Nous fais amener nous fais nous fais donner nous fais jouer avec la laine, quand je fais plaire à cause de manger, nous fais donner nous fais dire, zouzou la laine, jusqu'à arriver là, l'éviteur, qui s'assemble, qui l'a, les enfants, qui commandent à donner un zouzou, les billets manger, qui l'a? Les enfants, qui bien, petit, 3 ans, 4 ans, ou une affaire comme ça, 5 ans, mais, le dernier pas de sahaba, sa madame a pu dire que je suis en train de mes enfants pour garder rosa. Et maintenant, une parole de Omar radiallahu anhu, quand tu amènes un djibouli qui te sou, qui te boit, drapli, de Ramadan, alors Omar radiallahu anhu, une parole qui j'ai dit, qu'a été toi, tu peux voir nos bons enfants pégades, nos bons enfants pégades rosa, nos bons enfants pégades rosa, alors ça prouvait qui? Dans l'époque, ban sahaba, ban enfants, tu peux garder rosa. Donc, le kisana qui sort Ramadan obligatoire, il y a des musulmans, il n'est pas fou, il finit à tête d'âge de liberté, celui qui a encore des enfants. Rosa pas obligatoire au lit, mais seulement si tu peux garder lui, il peut garder ce tawab, et il y a une bonne santé, il n'a pas en voyage. Et gravité, pas garde rosa. Celui qui peut garder rosa, veut dire qu'il peut faire un, ce qu'il appelle un kabira, un gros péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui peut garder un jour rosa, combien de jours rosa il vient remplacer? Celui qui rate un jour rosa Ramadan, et par négligence, ou bien, un djibouli qui peut garder un jour rosa, combien de jours il vient remplacer? Il remplace? Il remplace un seul. Il y a un hadith dans Sahih Muslim, à côté par Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara rajulan aftar fi Ramadan an yu'tiqa raqabatan ou yasuma shahrain ou yut'ima 60 miskinan. Dans le hadith dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te ordonne un djibouli qui dans Ramadan, il patiga de rosa, le prophète te ordonne Allez bien esclave, si tu n'es pas capable, garde 60 jours rosa, des mois rosa, si tu n'es pas capable, allez,
te donne de l'argent, ça sent pauvrement manger. Alors, ça arrive à les pauvres, ceux qui partent dans le sac, ils avaient, ils allaient bien esclaves, dans l'époque de l'esclave, ils avaient fait, ils avaient 10 mois rosa, ils avaient 10 mois rosa. Ça arrive à les trouver dans Sahih Muslim, et ça c'est un prêt pour dire qu'il y a dans Sahih Muslim, il y a hadith qui est là. Et rire, et là, et rire. C'est ça que la nation authentique, mais seulement, comment Adar Kotni, c'est un savant hadith à l'époque, après l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Et j'ai quand même dit ce hadith là, et nous pouvons parler, les autres hadiths, nous trouvons que ce hadith là, en vérité, les papes causent concernant celui qui parle de Rosa, mais les papes causent concernant celui qui casse sur Rosa à travers l'idée. Un homme qui vient approche sur madame, alors c'est lui qui est bizarre et dans sa qualité là, la main là, l'eau lit. Alors, sa qualité là, cause concernant sa qui chose là spécifique et non plus n'importe qui s'en a qui garde, qui parle garde un jour, Rosa, Cheikh Albani, il dit, il y a combien? Il y a 60, il y a 30 personnes, 30 narrateurs, quand on rapporte sa qualité là, je peux dire que ce hadith là est cause concernant celui qui casse sur l'osa à travers l'insatisfait, celui qui casse sur l'osa dans sa façon là, alors lui qui vise à God 60 jours, Rosa, lui vise à God 60 jours, Rosa. Alors, Cheikh Al-Bari, il dit, quand nous avons tout ça, un narrateur qui raconte, un seul qui saute, ça n'a ni rapport, un affaire différent, alors vous trouvez que ça c'est un erreur de support. Donc, un dimanche, il est obligé de garder un rosa. Si toutefois, il n'est pas gardé un rosa, il rate un rosa, il vient renverser. Mais ce n'est pas par négligence, non. Par négligence, celui qui n'est pas gardé un rosa, par négligence, qu'il pourra faire, il va pourra faire. Non, ni. Pareil comme un pareil comme un namaz. Celui qui, par exemple, se sommet pas cassé, il rate Fajar, comment se sommet cassé, qu'il vient. Il fait son namaz Fajar. Mais celui qui, alors, vient sonner, il est en train de se dire plonger. Quand il est venu, il dit qu'il nous avait. Qu'il nous avait. Pas pour grave, non. Pas pour grave. Quand il y a la masse, il finit. Il finit. Quand il y a la masse, il finit. Il finit. Pas pour grave, ça, la masse là. Et ça, c'est pour montrer nous qui était. Elle va se parler, quand il vit, il y a du bouc à faire les vivres là-haut. Fini tout, il va pouvoir pas faire les vivres. Alors, comme ça, quand on finit tout, il y a la masse, pas pour carrément faire, pas pour gagner ça. Elle est la masse, il traverse, pas une vie à la masse, pas pour capable faire sa masse. Alors, comme ça, même, un jour, on a traversé, un jour, pas une gode, ça jour, ça veut dire avec paresse, avec négligence, pas pour capable remplacer ça. Pas pour capable remplacer ça. Mais c'est du monde, les malades, ils ont cassé ça, ou bien les autres raisons, ils ont cassé ça, ils parlent les gode de ça. C'est pour lui qui, comment dire, quand il est remplacé, il ne remplace pas. Un seul, il a bien pour remplacer pas. Plus qu'il y a un, il y a 60 rosa. Il y a pas longtemps, je vais te dire, celui qui il peut bien casser rosa, il peut bien remplacer qui était. Il peut bien remplacer 60 rosa. Mais, ça a dit, quand il est trop dans ce hémoslim, mais c'est mal, il n'y a pas de cause concernant ce qui ne connaît là, il n'y a pas de cause concernant un autre qui sort. Donc, rosa Ramadan, nous obligez Gandhi. Même si la journée est extra longue, il n'y a pas de place là, quand il y a un rosa, c'est dit que commence, c'est pas qu'il est, l'iftar, c'est pas qu'il est. Alors, même qu'il longue la journée, nous obligez garder rosa. Nous obligez garder rosa, je ne sais pas pourquoi de la Russie, même dans l'Europe actuellement, il y a long rosa. Alors, ça, tout ça, là, n'est pas une excuse pour pas God, Rosa, et là, à cause de travail, une ligne et là, c'est pas à cause d'examen, pas de God, Rosa, ça, c'est elle, et il n'y a pas pour une excuse auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien, il n'y a pas pire, il n'y a pas pour faire l'entraînement, alors, il n'y a pas God, Rosa, il n'y a pas qui s'allie, les haram, il n'y a pas accepté auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, une explication, ben, qui pas God, Rosa, dans Ramadan, mais là, 6 djimoun qui pas gardé rosa dans Ramadan, 4 là-dedans, je t'ai gardé, je t'ai pas gardé, des là-dedans, ils n'ont pas gardé. Premièrement, celui qui est en voyage, il n'est pas gardé. S'il a envie de garder, il est gardé. S'il n'a pas envie de garder, il n'est pas gardé, nous passons là. Celui qui est malade, il n'est pas bien forcé pour garder rosa. Il
n'est pas besoin forcer pour garder le rosaire de façon qu'il m'a dit qu'il n'est plus malade encore. C'est lui qui est malade, il n'est pas garder le rosaire. Et une madame qui est enceinte, il faut garder ce petit bébé, il peut affaiblir ou bien ça peut affecter ses enfants, il n'est pas garder le rosaire. Et quatrième, c'est une madame qui peut aller de ça, qui peut aller de ses enfants. Une madame qui peut aller de ses enfants, mais elle dit courage pour qu'il y ait ses enfants là, de sa petit bébé là-bas. Alors, une madame qui peut aller de ce petit bébé, ou bien une madame qui peut aller de ses enfants, ou bien une dîme qui est malade, ou bien une dîme qui est en voyage, ou pas d'or, rosa. Ensuite, celui qui n'a pas gagné le droit d'or, rosa, qui s'en a, qui n'a pas gagné le droit d'or, rosa, dans la Ramadan. Une madame qui est super haïd, une madame qui est super haïd, n'a pas gagné le droit d'or, rosa, et. Deuxième, c'est un djimoun qui, comme a dit, libérant, libérisé, fait un djihad d'une façon qui libérisé en bonne santé, libérisé, libérisé, fait un djihad, libérisé, fait un djihad. Alors, dans, face à l'ennemi, comme a dit, pas lié pour God Rouza, pas lié pour God Rouza, comme a dit, libérisé à la force, pour la guerre, pour faire un djihad, libérisé God Rouza. Alors, c'est pas ce moment. Conseil à voyager. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il fait mention dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah wada'a 'ala al-musafir as-sawm wa shatra as-salah. Allah subhanahu wa ta'ala, les vignes enlèvent depuis les voyageurs, sawm et la moitié salat. Sawm et la moitié salat. Allah fin enlève l'obligation rosa. Le celui qui est en voyage, Allah fin enlève la moitié salat. Le celui qui n'a Dans le voyage, les 4 rakats qui nous fait seulement des rakats. Mais celui qui a envie de garder, il est capable de garder l'obligation à lui enlever, mais seulement s'il a envie de garder, il garde. Nous avons raconté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, kana yasoum fi safar wa yuftir. Le prophète, il fait garder Rosa de Ramzan et il fait pas garder aussi. Je peux garder et les pas je peux garder aussi. Donc, nous pouvons garder et nous ne pouvons pas garder. Maintenant, la question c'est quel qui me guère. Maintenant, la question quel qui me guère. Alors, il y a certains hadiths qui peuvent montrer mais il y a gardé et il n'a jamais guère pas garder. Et l'opinion qui est plus forte c'est meilleur, c'est ce qui est plus facile pour vous. Et si c'est facile de vous garder, si les poignets, ou même certaines difficultés, mais hier on n'a pas gardé. Nous regardons le hadith rapporté par Hamza ibn Amr al-Aslami al-Jiyya. Anahu qala ya Rasulallah, ajidu bi quwwatan ala al-siyam fi al-safar. Fahal alayya junahun. Sa sahabi la Hamza ja, il dit au prophète, mon sentiment, on a courage, on a la force. Est-ce qu'il m'a gardé nos accords dans le voyage? Et si on peut garder, est-ce qu'il y a un péché? Et on peut dire, il y a l'ukhsa min Allah, faman akhada biha fa hasan, wa man ahabba an yasum, fa la junah alay. Et on peut dire, ça c'est une facilité, une permission qu'Allah vient donner, celui qui peut prendre, qui accepte sa permission là, dit bon, celui qui a envie de garder, alors peine à péché l'ori. Donc, celui qui a envie de garder, il est capable de garder. Et maintenant, plusieurs sahaba qui veulent dire veiller par garder parce que ça c'est une facilité que Allah subhanahu wa ta'ala fait donner. Tandis que Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu dit فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام حسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جاء بن صحابة في كونسيديا celui qui a la force de garder de meilleur, celui qui peut sentir de faire une affaiblie de pas garder sa vie de meilleur. Donc en de voyage, si nous faisons un voyage qui nous fatigue, nous affaiblit, meilleur ou pas, mais nous ne pouvons pas garder. Si nous faisons un de voyage qui nous pas fatigué, nous pas affaibli, alors là, nous ne pouvons pas veiller, pas garder. Mais maintenant, en certaines occasions, en certaines circonstances, quand pas gagner le droit de garder pendant le voyage, c'est comme dire que nous pouvons garder Rosa. Pendant le voyage, nous pouvons fatiguer nous-mêmes et nous pouvons fatiguer qui s'en a. Ben, dis-moi qui est ensemble avec nous. Le grand hadith, rapporté par. جابر رضي الله عنه يجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. النبي لاني كي تكون كريه
Makkah, l'église Sochi dans en Ramadan, il doit conquérir Makkah, c'était qui l'année? C'est clair, non? Qui l'année qui doit conquérir Makkah dans Ramadan? C'est clair, hein? Qui est son père? Bah, c'est un, non? Hein? Quoi tu verras? C'est un, tu verras. Hein? Huit l'année, huitième l'année, Hijri. En huitième l'année, Hijri a conquéri à Makka et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé dans Ramadan. Quand on parle de Dieu. Fassama hatta balaga Qura al-Khamim. Le prophète, dans les voyages de Makka, il fait grand rosa, il se fait arriver, il s'en envoie là, Qura. Fassama al-Nas, il va dire aussi, il fait grand rosa. Thumma da'a bi qadahin mimma farada'ahu hatta nawar al-Nas ilayhi. ثم شرب كان عليه السلام قال للبوفيت صلى الله عليه وسلم في فعل مانديرو لنبوا devant tout jimon لنبوا devant tout jimon et nous pouvons nous comprendre ça pendant rosa pour le voyage nous capables pas gardé rosa nous capables gardé rosa mais qui était nous casse rosa là nous casse rosa là pour le voyage le prophète il avait les rosa mais jimon rosa les demande de l'eau, il casse rosa là devant tout le monde. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاء أولئك العصاء البوفيت صلى الله عليه وسلم إن أجهود من جاليو خوفيت إن أجهود يوم كوبي قاد روزا إن أجهود يوم كوبي قاد روزا البوفيت صلى الله عليه وسلم رجع سبعنا بان كي بيدي زوبيني يا الله سبعنا سبعنا كي بيدي زوبيني يا الله الرواية بالمنشون c'est رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه le prophète il trouve un groupe de gens et un autre voilà un peu de nid ombrage alors le prophète dit qui était ça il est dans le rosa le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alayhi sallam il a bir as-saum fi s-safar rosa dans le voyage il n'a pas une bonne action c'est comme on parle de difficulté des jeunes et là il y a un grand leçon là dans ce qui dit nous n'avons pas capable de faire ibadat et ensuite nous venons de guider difficulté les œufs. On n'a pas gagné le droit de faire ibadat, ensuite de donner difficulté les œufs. Alors si, dans faire ibadat, on n'a pas gagné le droit de donner difficulté les œufs, si ne pas faire ibadat, on ne pas gagner le droit de ne pas gagner le droit de difficulté les œufs. Quel slam pas d'enseigne nous, vinen fado pour les œufs. Par exemple, on présente des caf, ensuite finalement, on peut mettre difficulté loyauté ou bien loyauté ou bien loyauté. Alors ça, il n'a pas quelque chose qui correcte. Et quoi le trouver? Gagne droit à casse rosa là aussi pendant Ramadan, c'est le voyage. Et l'autre masala c'est si un djimoun, par exemple, dit dans Ramadan, et j'ai fini de faire pour faire Umra, mais Zodi pour voyager, ou bien Divin pour voyager, pas encore confirmé, les rosa, Neveya, gagne col, tu es là pour voyager Zodi même. Tu es là pour voyager Zodi même. Il n'est pas encore voyagé, mais seulement les bousins qui quittent la case ont 11 ans, les gars qui ont levé pour voyager aujourd'hui même. 11 ans, ils vont quitter la case. Quand ils vont rentrer dans le voyage, ils vont rentrer dans l'avion, ils vont rentrer dans le voyage. Ils vont aller, disons, il y a des ailes ou dans le voyage. Est-ce que midi ou bien 11 ans, quand ils vont sauter sur la case, les gars vont casser sur l'eau ou bien? Ou bien faut-il finir dans le voyage même? Pas gagné droit. Ah, parce que nous devons trouver, moi, dire. Cela mène à une différence entre rosa et salat. Salat, pour nous faire casse, c'est-à-dire nous faire 4 vins, D. Par exemple, nous disons là, les voyager, il arrive Zohar, il vient Zohar, Vel, ensuite il va prendre un avion, c'est pas 3 heures, 3 heures ce voyage peut commencer. Est-ce que Zohar qui lui vient dans Vel, là, il y a droit à faire 4 à 4, il vient de faire 10 à 4. Quand il rentre dans l'avion 3 heures, 4 heures, il peut faire ça. Comment il fait ça là? Il vient de voyage. Mais Rosa, est-ce qu'il est pareil? Faudrait-il finir comment sur Rosa? Là, il commence sa permissibilité cassée là et appliquée. Ou bien, une fois qu'il nous donne sa zou, qu'il nous fait voyager là, nous gagnons le droit casser même avant qu'il nous rentre dans le voyage. Regardez, au lieu de répondre, nous écoutez. Je vais rapporter par Mohamed ibn Ka'amidjiya. الحديث تودا الترمذي أتيت أنس بن مالك في رمضان في رمضان من بيكون أنس بن مالك وهو يريد سفرا لبي بريباري بو فواياجي
من بين كل دي لاحظ كل دي بين بالك وازي وقد رحلت له راحلته يعني في نيت سول عسل وسموتيا في نيت بحر وعلي ولبس ثياب السفر في نيت سولانس بو بو وازي فدعا بطعام من ابل انجل امين ماضي فاكل بالماضي avant qu'il monte le saumontur. فقلت له سنة. Alors, Mohamed ibn Ka'ab, un tabi'i, quand il trouve qu'Anas ibn Malik il verra, il dit que c'est un sunna ça, il dit na'am, il dit oui, sunna, il dit oui, ça c'est un sunna ça, ثم ركب, ensuite il monte le saumontur. Mais le hadith rapporté par Ubayd ibn Jubayr, il dit, كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة في سفيرة في الفسطاط في رمضان ثم قرب غداءه ولم يجاوز البيوت جاء متصاور أبو بصرة من في غداء بعده بس ما نقوله لبو نبقوا ما جاء نبقوا عليه إن في أبل إن في دمان نازي فقلت أليس ترى البيوت؟ ألو سا عبيد بيعبود سا عدي سا إبن مراي جالي بنقول لك نقول لك لا نبقو هدا بيات نبقو بدخول كاز إذا نبقو كتير نبقو عليه إذا أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألو أبو بصرة صاحب إلى جالي Est-ce qu'il croit que tu n'es pas satisfait avec ce qui te met des sunnas le prophète sallallahu alayhi wa sallam va akal alors les fines manger. Donc, vous trouvez Bazanoula et il y a les jubans sahaba, les jubans tabi'in qui je fais une casse cette rosa. Une fois que je vais préparer pour voyager, même que je ne commence pas voyage, la question qu'il posait c'est qu'il dit, c'est l'infini. À l'aéroport, à 5 ans à l'aéroport, on va y venir là. Et ici, ici, il y a Casseroza. Qui vous avez? Les bizarres. Et Rosa est fini. Et fini cassé, les bizarres remplacent ça, 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 Rosa là. Les bizarres remplacent ça, ça, Rosa là. Et celui qui casse Rosa pendant voyage, mais le temps qu'il y a voyage, il gagne pas manger, il gagne pas manger boire. Il passe pas par le de rosa, mais c'est pas par le droit manger boire. Tu vois qu'il casse sur rosa, un gros voyage, pendant qu'il y a ce voyage, il gagne droit manger, manger boire. Donc ça c'est, aujourd'hui, Inch'Allah, ça démarche qui est minimal pour continuer, Inch'Allah. C'est pour le voyage, c'est bien en place, Rosa-là, c'est qui parle. Oui, celui qui est en voyage, il y a pas de voyage. Voyage, ça il veut voyager dans le bas. Non, ça ne passe pas là. Il y a celui qui les voyager tant qu'il est dans le bateau, il est dans l'avion, mais ça voyage, ok. Celui qui finit rentre à l'endroit là, est-ce qu'il est considéré comme un guide voyage ou bien non? Alors il y a si sur l'état, l'état voyager, guide voyage. Si sur l'état, pas l'état voyager, il n'y a pas de voyage. Par exemple, dis-moi, il est voyager dans la Chine. Tant qu'il est voyager, il est dans la Chine, il est voyager. Il finit rentre à la Chine, il va être logé dans l'hôtel. Sur l'état, pas l'état de voyager. Mais, l'état de la Chine, il y a grand matin, il peut sortir là, il peut aller là-bas, il peut faire son business, il peut sortir ici, il peut aller là-bas. Mais voyez, en cours, vous voyez, non? Sur l'état, c'est l'état de voyager, alors il n'y a pas grand chose. Même s'il perd 5 semaines, 10 semaines, 3 semaines, tant qu'il voyage sur l'état, c'est l'état de voyager, il n'y a pas grand chose. Ça, si j'ai des enfants, beaucoup de mariés, les hajj, ils acceptaient de vivre. Ils acceptaient le Saint-Germain, mais quand ils vivent, c'est moi qui j'aurais fait quand ils vivent. Okay. Big white here.